Jean Massonnet. Merci Jean, à toi la parole. Bon, eh bien, on y va. Vous voyez la première image, là, première vision, c'est le targoum, un genre oral. Voilà. Targoum, un genre oral. C'est une traduction. Le mot targoum signifie, vient d'un verbe qui signifie traduire, le targem en hébreu. Donc, on va traduire le texte hébreu. Alors, je vais d'abord vous donner un texte de la Bible, c'est Néhémie, hein, Néhémie 8.1.12, qui n'est pas un targoum, c'est un texte simplement, mais disons, la tradition a lu dans cet événement de la Torah, lu de façon solennelle au retour d'exil par le scribe qui était prêtre aussi, Esdras, non seulement prêtre, mais scribe, c'est-à-dire intéressé par le sens de l'écriture. Ça se passait, disons, on a un peu de peine à situer au plan historique l'événement, mais en gros, c'est le 5e siècle, quoi, en gros. C'est sous Artaxerces, mais comme il y en a deux, il y en a. Voilà. Donc, bon, mettons autour de 400, hein, on ne va pas chercher, ce n'est pas là le problème. Donc, c'est une lecture solennelle de la Torah où on pense que, disons, on y voit un peu le début de ce qui va être le judaïsme, ce qui va être le judaïsme qui va être repris par les pharisiens plus tard, mais disons, c'est-à-dire cet intérêt d'Israël à son écriture qui est déjà constituée. On a déjà la Torah, hein, les cinq premiers livres, hein, après Agé, Zacharie, qui vont se mettre dedans aussi, mais enfin, on a ceci. Alors, on fait une lecture solennelle de l'écriture, c'est un peu une sorte de début. Alors, voyez, vous avez le texte sous les yeux, hein, avec des couleurs. Ce n'est pas pour faire joli, mais les couleurs vont indiquer des thèmes essentiels. Hein. Alors, vous avez d'abord en jaune, hein, le peuple, et c'est tout le peuple. Hein. Tout le peuple, ça vient 10 fois, hein, comme un seul homme. Et parfois, on a simplement le peuple seulement, ou tout le peuple, dans les 3 fois, donc ça revient constamment, hein, 10 ou 13 fois, suivant les présentations. Et puis, en face, hein, vous avez le livre de la Torah, hein, en vert, hein, le livre de la Torah de Moïse. Hein, donc, c'est vraiment les 5 premiers livres. Hein, qu'on va lire de façon solennelle. On est aux portes du temple, hein, vers la porte des eaux, et il va y avoir tout le peuple est rassemblé. Alors, entre le peuple et le livre de la Torah, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va y avoir une compréhension. On entend, hein, on entend et on comprend, hein, tout ce qui est en bleu, là. Hein, on comprend ce qu'on entend, on est attentif. Hein, et puis, donc, c'est tous ceux qui peuvent comprendre, hein, des hommes, des femmes, ceux qui peuvent comprendre. Donc, les enfants, dès qu'ils peuvent comprendre, hein, sont là. Hein. Voilà, alors lisons simplement ce texte. Hein. Voilà. Tout le peuple, comme un seul homme, se rassembla sur la place qui est devant la porte des eaux, et ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la Torah de Moïse. Voilà, ils demandent le livre de la Torah, tout le peuple, que le Seigneur avait prescrit à Israël. Et le prêtre Esdras apporta la Torah devant l'assemblée où se trouvaient tous les hommes qui étaient réunis, qui étaient à même de comprendre, hein, ce qu'on entendait. Voilà, toujours ça revient. Alors le prêtre Esdras, il obéit au peuple, hein. C'est, en tout cas, c'est le peuple qui demande. Donc, on a l'impression que c'est tout le peuple qui est le premier. C'est lui, c'est pas d'après ce texte, en tout cas. Hein, c'est lui qui doit. C'est Esdras, finalement, il obéit. Même après, s'il pourra, d'après sa fonction, donner des conseils, etc., ou même donner des ordres. N'empêche que c'est le peuple qui demande. Voilà. Ça, c'est important. C'est même fondamental pour le judaïsme qui va prendre, qui commence à se constituer après le retour d'exil. Voilà, alors, on continue, voilà. Il lut, le verset 3, hein, il lut dans le livre sur la place qui est devant la porte des eaux depuis l'aube jusqu'au milieu de la journée, en face des hommes, des femmes et de ceux qui pouvaient comprendre, ça revient constamment. Hein. Alors, les oreilles de tous étaient attentives au livre de la Torah, hein. Ils écoutaient, hein. C'est vraiment c'est l'importance. C'est fondamental, ça. Écoute, hein, c'est écoute Israël, hein, qui se met en place.
Le scribe Esdras était debout sur une tribune de bois qu'on avait faite pour la circonstance, et à côté de lui se tenait un certain nombre de personnages, et à sa gauche d'autres encore, donc il était bien entouré. Esdras ouvrit le livre aux yeux de tout le peuple, car il était au-dessus de tout le peuple lorsqu'il l'ouvrit. Et lorsqu'il l'ouvrit, tout le peuple se tint debout. Voilà, quelle insistance sur tout le peuple, vous voyez. Hein. Et Esdras bénit le Seigneur, le grand Dieu, et tout le peuple répondit « Amen, amen » en levant les mains. Ils s'inclinèrent, se prosternèrent, le visage contre terre. C'est une liturgie. Hein. Alors, un certain nombre de… Alors, là, on a un texte, quelque chose qui va venir important. Hein. Un certain nombre de personnages, hein, Yeshua, Bani, Shereya, tout ça, voilà, les Lévites aussi, faisaient comprendre quoi ? La Torah, hein, au peuple, et le peuple restait debout sur place. Alors, ce qu'ils faisaient comprendre, ils lisaient dans le livre de la Torah de Dieu de manière distincte, en donnant le sens, et ils faisaient comprendre ce qui était lu. Voilà. Alors, Néhémie, le gouverneur, Esdras, le prêtre scribe et les Lévites donnaient des explications au peuple, et ils dirent au peuple, ce jour-ci est un jour consacré au Seigneur, c'est peut-être la fête des tentes, hein, dans le texte, dans le passage. Ne soyez pas dans le deuil et ne pleurez pas, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la Torah. Donc une émotion, pourquoi ? Parce qu'ils comprennent, hein, la joie de comprendre. Ouais. Allez manger de bons plats, allez, faites la fête, hein, faites des portions à celui qui n'en a pas. Alors, il faut se donner, dès qu'on comprend, on devient généreux. Hein, si on comprend une parole qui est abondante, qu'on a envie ensuite de la redire après, donc ça met en relation, même pour se faire des cadeaux. Ne soyez pas dans la peine, car la joie du Seigneur, c'est votre force. Et les Lévites calmaient tout le peuple en disant, silence, ce jour est consacré. Ne soyez pas dans la peine, alors tout le peuple s'en alla pour manger et boire, faire porter des portions et pour manifester une grande joie, car ils avaient compris ce qu'on leur avait fait connaître. Ils avaient compris. Ils ont accueilli la Torah, de façon orale, si vous voulez. C'est la Torah orale déjà qui se met en place. C'est le peuple qui comprend, c'est le sens qui advient, le sens qui arrive, et cela fait du bien. On est heureux de savoir d'où on vient, parce qu'on reçoit une tradition, et cette tradition vous donne un sens, on comprend, elle vous dit où est-ce qu'on va aller, où est-ce qu'on va marcher, comment il faut connaître. Donc, on va revenir à un verset plus particulier maintenant. Voilà, hein, c'est un texte du Targum, hein, le Targum de Megillah, le rouleau. Le rouleau, c'est dans le Talmud, hein, le Talmud de Babylone, hein, vous voyez, B, c'est il y a B Megillah, hein, B c'est le Babylone, et puis Megillah c'est le rouleau, et c'est rouleau d'Esther, parce que le rouleau d'Esther, on le dit de façon festive, hein, pour la fête de Kippour. Alors c'est à ce sujet-là qu'on va établir quelques règles à propos de ce rouleau d'Esther, sur la façon dans la synagogue de lire la Torah. Hein. Alors, ils disent aussi une chose. Pourquoi est-ce que, peut-être auparavant, faut quand même, j'allais oublier de dire ça, pourquoi ils sont si heureux de comprendre ? Parce qu'on leur lit la Torah en hébreu, mais on est dans une situation où on est revenu d'exil pour un certain nombre, un bon nombre de gens qui sont revenus d'exil, qui sont habitués plutôt à l'araméen, et même dans la Judée, l'hébreu demeure toujours, il ne sera jamais perdu, mais enfin, dans l'ensemble, c'est l'araméen, hein, c'est une sorte de l'araméen est une sorte d'anglais moderne, hein, c'est celui qui se parle plus que l'hébreu. Donc, on a besoin de comprendre l'hébreu, non seulement de comprendre d'abord qu'il soit traduit, parce que tous les gens ne comprennent pas très bien. C'est pour ça qu'on va établir à la synagogue, justement, dans la lecture, on va établir une traduction. Il y aura des traducteurs. Alors, je reviens maintenant à mon texte de Megillah. Hein. Alors, on se demande, est-ce Onkelos le prosélyte qui prononça le Targum de la Torah ? Onkelos, donc, premier siècle, hein, c'est donc très, très récent. Et puis, on a ici un texte qui a l'air de dire, qui a l'air de dire qu'on voit la règle du Targum exprimée bien avant, au 5e siècle, 5 siècles avant. Alors justement, on y revient à ce texte. Hein. Que signifie cette écriture
ils lurent dans la loi de Dieu de façon explicite, mefourache, un paracha, mefourache, c'est ce qui sont sépare les choses, en y mettant de l'intelligence, voilà, intelligence, ce texte de Néhémie, c'est la fête de l'intelligence. En y mettant de l'intelligence, et ils comprirent la lecture. Voilà, alors et ils lurent dans la loi de Dieu. Alors, on va décortiquer un peu cette petite phrase pour dire, ben voilà, c'était déjà un peu c'était déjà le principe du Targum, la tradition, à la synagogue. Ils lurent dans la loi de Dieu, c'est la lecture, Mikra, la lecture, donc on lit. De façon explicite, le fourrage, c'est la traduction, le Targum, le voilà. En y mettant de l'intelligence, ce sont les versets, ils comprirent la lecture, ce sont les séparations des accents, et certains vont dire... l'organisation du texte, les indications données par la tradition plus tard dans la lecture. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on on va se donner comme explication. Attends, je remonte un coup là. Comme explication, ben oui, ça a déjà commencé bien avant. Et puis après, bon, on a oublié cette tradition plus ou moins, puis ça a été repris au temps d'Ankelos, de prosélyte. Mais déjà, on voit déjà, vous voyez, donc cette origine de l'explication de la Torah pour tout le peuple dès le retour d'Égypte. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, quelques présentations, parce que ces traductions nous ont été transmises dans des manuscrits, bien sûr, on en a éprouvé. Alors, je vous en donne une série de trois ici. Vous avez le Yerushalmi à gauche, le Yerushalmi. Alors, jusqu'en 1950, on avait très peu de choses. C'était le Targum fragmentaire qu'on pouvait trouver dans le Genizat du Caire. Mais c'est en 1950, il y a déjà donc 70 ans, qu'un professeur, Diège Machaud, en farfouillant dans la bibliothèque du Vatican, a trouvé un manuscrit qui était ignoré de tous, qu'il a repéré, et magnifique, le Néophyti 1, manuscrit complet, de caractère ancien, on en date la rédaction du IIe siècle ou plus tard, donc c'est vraiment autant, on pourrait dire, c'est déjà au temps du Nouveau Testament, au IIe siècle. Donc, on a quelque chose de complet qui a été édité en français dans les sources chrétiennes par le Père Ledéo et dont on dispose actuellement dans les sources chrétiennes. Voilà. Alors, je vais passer à la colonne de droite maintenant. C'est toujours Yerushalmi. C'est le pseudo-Jonathan. Alors, celui-là, il est beaucoup plus tardif. On l'a en totalité, il est complet, mais il est tardif puisque on parle dans ce Talmud des filles de Mahomet, du prophète, enfin le prophète des musulmans. Donc oui, c'est beaucoup plus tard. Mais en fait, quand on regarde à la fois le Yerushalmi et le Néophyti complet, qui est beaucoup plus ancien, eh bien, il y a beaucoup de ressemblances. Les traductions sont souvent les mêmes. Au milieu, Ankelos. Ankelos, du nom de ce scribe qui a redonné une traduction araméenne auquel on confère une valeur officielle. Après la conclusion de la Mishnah, une fois qu'on a le texte biblique, on pourrait dire fixé avec ses accents, avec ses divisions, avec sa vocalisation, eh bien, Ankelos, ce scribe-là, va donner une traduction assez sobre. C'est ça. Tandis que dans les deux autres cas, les deux Yerushalmi, vous avez souvent des interprétations abondantes. On va se rapprocher de la valeur de l'interprétation officielle, mais de façon plus sobre. Voilà. Alors, également, qui n'est pas marqué ici, il y a le Targum des prophètes. Le Targum des prophètes, c'est bon, de
le Targum de Jonathan ben Uziel, un prophète, Jonathan ben Uziel, qui donne une traduction alors des textes bibliques de Josué, hein, Josué, les rois, ensuite, et puis on passe aux prophètes jusqu'aux 12 prophètes. Voilà. Alors, maintenant, le Targum, on l'a déjà senti, hein, c'est une pratique orale. Hein. Ensuite, on verra comment le Targum, c'est déjà très en lien avec le Midrash, dont parlera tout à l'heure Édouard Robrecht. Hein. Et le Midrash est vraiment la fonction majeure, principale. À ceci, à partir du songe de Jacob, dans le livre de la Genèse. Et puis, enfin, je donnerai un certain nombre d'exemples du genre targumique. Voilà. Alors, d'abord, une pratique orale et la mise en œuvre à la synagogue. Et puis, il y aura aussi parfois quelques réserves des sages sur cette traduction, pourquoi on n'aime pas bien traduire et révéler les secrets de la Torah orale. Voilà, alors quelques occasions de la mise en œuvre. Hein. Alors, nous sommes toujours dans Megillah, vous voyez, hein, ce livre du Talmud, hein, Megillah. Nous mettons enseigné, si le lecteur ouvre, le lecteur, il est à la synagogue, il ouvre le rouleau de la loi. Donc il va lire le rouleau de la loi et il voit ce qu'il va lire. Alors, il voit, ben, il enroule le rouleau, donc il ne voit plus ce qu'il va lire. Hein, et puis, il enroule pourquoi ? Parce qu'il va prononcer la bénédiction. Voilà. Hein. Donc, il prononce la bénédiction, qui nous a donné la Torah, etc. Hein. Mais ça, la bénédiction, elle fait partie du genre oral, il la connaît par cœur, il doit pour la lire. Puis, de nouveau, il ouvre, hein, voilà, et puis après, il lit la Torah. Alors, ça, c'est un Rabbi Meir qui dit comme ça, hein, au deuxième siècle, au début du deuxième. Ensuite, alors son collègue dit, bah, comme quoi, hein, quand il y a un rabbi qui parle, l'autre va s'opposer, va dire le contraire, c'est normal. Alors l'autre, il dit, il ouvre le rouleau, il voit la bénédiction qu'il va prononcer, il dit la bénédiction et puis il lit. Alors, pourquoi est-ce que Rabbi Meir veut absolument que le lecteur ne voit pas son texte au moment où il dit la bénédiction? Parce que les gens vont dire, tiens, il regarde le texte, peut-être qu'il lit la bénédiction dans la Torah. Hein, voilà. Donc, alors là aussi, le sens, là, c'est, on élargit un peu. Hein. Voilà, c'est ce qu'on raconte. Hein. Si Rabbi Meir dit, si le lecteur a son livre ouvert, alors, les gens vont dire, tiens, celui qui lit la Torah ne doit pas venir en aide au meturgeman, c'est-à-dire à celui qui traduit. Parce que à ce moment-là, si celui qui traduit voit le texte de la Torah, les gens vont dire, bon, ben, en fait, ils vont dire, mais la traduction est écrite dans la Torah, alors ça, c'est pas possible, la traduction peut pas être écrite. Alors, il en est de même pour les bénédictions. Voilà, hein, même pour la bénédiction qui n'est pas écrite, qui doit être dite oralement, si c'est ouvert, si le livre est ouvert, il y a des gens qui disent, ah ben tiens, il lit la bénédiction dans la Torah, et c'est pas bien. Alors, de même ici, hein, donc on en dit autant pour la bénédiction que pour la traduction. Alors, Rabbi Yehuda, il dit pour la traduction, oui, hein, il faut que le traducteur ne doit pas voir le texte. Hein, si jamais les gens voient que le traducteur voit le texte, ils peuvent se tromper, ils disent tiens, il y a la traduction dans le texte. Pour la bénédiction, on sait que tout le monde la connaît par cœur, il n'y a pas de souci, il n'y a pas lieu de se tromper. Mais vous voyez, donc nous, on a affaire à une traduction de type oral. C'est-à-dire que celui qui traduit, il a entendu le texte, il l'a entendu dans ses oreilles, et maintenant qu'il l'a entendu, il va le traduire. Mais il va le traduire avec ce qu'il est. Il va le traduire, disons, influencé par les événements du moment. Peut-être que la
communauté est en grand danger. Peut-être au contraire, c'est un jour de bonheur, de joie. Peut-être que lui-même, c'est le jour de son mariage, à moins que ce soit le jour où il a tout perdu. Donc, vous voyez, on est dans sa traduction va être marquée par la situation dans laquelle la communauté ou même lui-même se trouve, parce que c'est quelque chose d'oral. C'est quelque chose d'oral qui vient de la personne, c'est pas simplement une lecture servile qui mot à mot, qui veut tout dire. Alors, d'autres pratiques, celui qui lit la Torah ne doit pas lire moins de 3 versets au total. Il ne lit pas plus d'un verset à la fois pour celui qui traduit. Le meturgeman, oui, le meturgeman, vous avez... Il y a le mot targum là-dedans. Hein. C'est celui qui traduit, le meturgeman. Alors, pour la Torah, hein, normalement, on lit pas plus. On ne doit pas lire moins de 3 versets au total. Hein. C'est bon, on lit peut-être parfois verset par verset. Enfin, il faut que ça soit très précis. Dans les prophètes, on peut en lire un peu plus. Alors. Les 3 versets des prophètes sont-ils 3 parachutes, c'est-à-dire 3 petits chapitres, hein. Alors, on lit chacun de ces versets l'un après l'autre, hein, puisqu'ils représentent chacun un petit chapitre, une petite unité. Alors, dans les prophètes, on peut omettre des versets, on peut sauter un peu un passage, hein, mais pas dans la Torah. Dans la Torah, on lit tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut omettre dans les prophètes quand celui qui lit les prophètes, il va passer un autre passage, donc il déroule le rouleau, il lui faut du temps, eh bien, il peut le faire tant que le traducteur n'a pas fait de pause. Tant que le traducteur traduit, lui, le lecteur, il va chercher un autre passage un peu plus loin, mais il doit l'avoir trouvé lorsque le traducteur a fini de traduire. Donc, il n'y aura pas de creux, il n'y aura pas de vide. On va voir ce qui se passe. Alors, maintenant, voilà. Voilà. Pourquoi le traducteur n'est-il pas autorisé à élever la voix plus haut que celle du lecteur ? Vous voyez, il faut que ça soit bien en ordre, tout ça. Hein. Parce qu'il est dit, alors, Moïse parlait et Elohim lui répondait avec une voix, be-kol, hein, c'est pas ba-kol dans la voix, mais une voix, Exode 19. Il n'est pas nécessaire de dire avec, pourquoi on dit avec une voix, hein, il lui répondait de toute façon, évidemment qu'il lui répondait avec une voix. Hein. Pourquoi on ajoute ça, avec une voix, avec la voix de Moïse. Il a de même été enseigné, le traducteur ne doit pas élever sa voix plus haut que celle du lecteur. Donc le traducteur n'emporte pas sur le lecteur, et si le traducteur ne peut pas élever la voix au niveau de celle du lecteur, c'est au lecteur d'abaisser sa voix. Donc c'est une question d'ordonnance dans la Torah, donc chacun s'exprime de la même manière. Ensuite, la suivante, voilà, autre chose là, le traducteur devait se tenir droit, sans s'appuyer, hein, il y a une bonne présence, il faut bien présenter comme il faut, alors s'appuyer une colonne dans une attitude de profond respect pour la Torah. Voilà. Alors, c'est un certain Rabbi Shmuel Bar Yitzhak qui vient dans une synagogue et voit quelqu'un qui est appuyé à une colonne, il est appuyé à une colonne et il traduisait. Il lui dit, tu ne peux pas, hein, c'est interdit. De même que la Torah nous a été donnée avec crainte et tremblement, ainsi devons-nous nous comporter avec la Torah, avec crainte et tremblement. Voilà. Il est, dans la traduction, on raconte que lorsque tu vas écouter une tradition très ancienne, hein, avant notre ère, tu vas écouter, tu vois un sage qui arrive chez toi, ne t'assieds pas sur un banc à ses côtés pour discuter, mais à ses pieds, et écoute tout ce qu'il va dire avec émotion, crainte, tremblement, de même que nos pères écoutaient au Sinaï la parole avec une crainte et tremblement. Et on revient toujours à la... dès qu'on écoute la Torah, c'est revenir à la source. Rabbi Raga a dit, Rabbi Shmuel Bar Yitzhak vint dans une synagogue, il vit un razan debout, qui traduisait sans qu'il y ait une autre personne faisant office de lecteur. Il lui dit, cela t'est interdit,
de même que la, ben, il pouvait le faire en soi s'il veut, hein, mais pour le faire de façon officielle, de même que la Torah nous a été donnée par un intermédiaire Moïse, de même nous devons nous comporter à l'égard de la Torah avec un intermédiaire. Et on va donner une explication, hein, c'est Deutéronome 5,5, Moïse qui parle, et moi je me tenais alors entre le Seigneur et vous pour vous communiquer la parole. Ça veut dire que l'intermédiaire, c'est l'idée de tradition. Il faut toujours cette tradition, un intermédiaire pour recevoir la Torah. On ne l'apprend pas de soi-même, hein, on reçoit une source, et de cette source, ben, une fois par l'intermédiaire, on va la comprendre et on la transmettra un jour à son tour. Alors, pour le bon ordre aussi de la lecture, un rabbi Zera rapporte au nom d'un autre, toujours, hein, l'Assemblée ne doit pas dire « Amen » tant que le lecteur de la Torah n'a pas terminé la bénédiction. Hein. Voilà, il fait sa bénédiction pour la Torah, ben, il faut attendre qu'il ait fini, simplement du bon ordre. Hein. Et le lecteur n'a pas le droit de lire la Torah tant que n'est pas achevé le « Amen » prononcé par la communauté. Voilà. Le traducteur ne doit pas commencer à traduire avant que le lecteur ait terminé le verset. Il ne faut pas qu'il se presse. Bon, c'est du bon ordre, c'est du bon sens, simplement. Et le lecteur ne doit pas commencer à lire le verset suivant tant que le traducteur n'a pas achevé. Il faut lui laisser le temps d'achever sa traduction, parce que ça peut prendre un peu de temps, on le verra, s'il ajoute quelques petits commentaires pour mieux faire comprendre le texte, la façon dont il comprend. Voilà. Alors, maintenant, le nombre des lecteurs varie suivant la solennité du jour. Voilà. Alors, on va dire ça. Le lundi, c'est-à-dire le deuxième jour, hein, le lundi et le cinquième, le vendredi, et pour le mincha, c'est-à-dire la prière du soir, la prière d'après-midi, du Shabbat, il faut 3 lecteurs. On ne diminue, il faut 3, et on ne va pas lire les prophètes. Vous voyez, c'est un peu plus court, au moins à l'époque, c'est ça, on ne lit pas les prophètes. Très bien. Celui qui commence et celui qui termine la lecture prononce une bénédiction. Hein. Le premier qui commence la lecture avant, et puis après, il y a peut-être une série de lectures qui arrive, et puis le dernier qui lit, à la fin de sa lecture, il prononce aussi une bénédiction sur le don de la Torah. On bénit Dieu qui donne la Torah. Alors, les premiers du mois et les jours de demi-fête, et il faut 4 lecteurs. Hein. Alors, les premiers du mois et les jours de demi-fête, les fêtes du jour de Pâques, hein, les deuxième et sixième jours de la fête de Pâques, et de même pour la fête des tentes, hein, donc les jours intermédiaires entre le début et la fin. Voilà. Les demi-fêtes, il faut un peu plus de lecteurs. 4 lecteurs, on en est surpris, il n'en ajoute aucun. On ne termine pas par un prophète, hein, c'est des demi-fêtes. Hein, et celui qui commence et celui qui termine prononce une bénédiction. Toutes les fois qu'il y a la prière additionnelle, c'est-à-dire du Shabbat, hein, Moussaf, ou d'un jour de fête, hein, mais qu'il ne s'agit pas d'un jour de fête, il faut 4 lecteurs. Un jour de fête, il faut 5 lecteurs. Le jour de Kippour, 6, et le Shabbat, il faut 7 lecteurs. On n'en supprime aucun. Voyez. À mesure que la solennité augmente, le nombre de lecteurs augmente, et il y a toujours la bénédiction avant et après. Mais c'est pas tous les lecteurs ne disent pas la bénédiction. Le premier avant la lecture et le dernier après la lecture. Voilà. Alors, maintenant, il y a parfois dans la Bible des lectures un peu délicates. Hein. Alors, le récit de Rouben en particulier. Rouben qui a fait une bêtise, hein, il est allé coucher avec Bilha, la concubine de son père. On en reparlera, hein. Vraiment, c'était un problème pour Rouben. Et Jacob était très ennuyé à cause de ça, d'ailleurs, en se demandant, mais est-ce que tous mes fils vont être parfaits? Rouben, c'est un peu juste, quoi. Alors, le récit de Rouben, on le lit, mais on ne va pas le traduire. Hein. Le récit de Tamar, alors Tamar, là, c'est autre chose. Hein. Tamar, c'est une belle-fille du Judas, hein, des fils de Jacob, qui n'a pas pu avoir, par mauvaise volonté souvent, de la part des... Elle a eu plusieurs fils de Jacob, il en est mort, elle a pris le deuxième comme mari, et puis aucun ne lui a donné un enfant. Alors finalement, elle va se débrouiller pour recevoir quand même un enfant et de la part de son beau-père, Tamar,
qui va, elle va se dé... Alors, une fois qu'il sait qu'elle va passer dans le coin, là, elle se déguise en prostituée, et puis, enfin, on en reparlera aussi. Et puis, donc, elle peut avoir un enfant de son beau-père. Quand Judas découvre le poteau rose, il ne la reconnaît pas. Il dit, c'est une prostituée qui doit mourir. Et puis, Tamar lui dit, mais tu vois, c'est moi. Hein, bon, voilà. Donc, et finalement, c'est beau. Tamar a assuré une dépendance, donc on peut lire et traduire. Hein. Le premier récit du vol, Vaudor, hein, bon, il faut le lire quand même, hein, et le traduit, donc il est commenté. Mais le deuxième, hein, c'est lorsque, qui suit le premier d'ailleurs, hein, c'est lorsque Aaron explique à Moïse, qui lui dit, bah, tu vois, moi, ils m'ont donné tout ça, alors j'en ai fait, si j'ai tout mis ensemble, ça fait un veau. Bon, voilà, bon, c'est pas très brillant. On le lit, mais on ne le traduit pas. La bénédiction des prêtres, bon, de nombre 6, et puis, alors le nombre 6, il n'y a pas besoin de le lire, c'est par cœur. Hein. Et puis, les récits de David et d'Amnon ne sont ni lus. David, c'est lorsqu'il va, on les lit pas, ça n'édifie pas trop l'assemblée. Donc, c'est David qui fait tuer son officier Uri, pour avoir sa femme Bethsabée. Donc, c'est un merde. Et puis le récit d'Amnon qui viole sa demi-sœur, voilà. Un des fils de David. Voilà. Alors, donc, vous voyez, on fait un petit peu de... Hein. Alors, on ne lit pas dans les prophètes le récit du char, hein, Ézéchiel 1, vous savez, le récit du char, c'est quand même un peu compliqué, hein, comment ça marche cette histoire, on entre dans l'ésotérisme, ça va dans tous les sens, ça occuperait trop, c'est pas la peine, c'est pas le moment de la synagogue, où c'est le moment à la fois de compréhension, de prière, hein. Et puis le récit de... bon, on le lit ou un autre va dire on le lit pas. Bon, d'accord, ils sont pas tous d'accord. Hein. Et puis également, Rabbi Eliezer, hein, va dire pour faire savoir à Jérusalem dans Ézéchiel le chapitre 16, allez voir le chapitre 16 de Ézéchiel, c'est les reproches d'Ézéchiel, hein, qui reproche Israël d'être comme une prostituée, de façon assez réaliste. Donc, on va laisser ça. Ça peut éveiller, ça peut faire dérailler un peu de l'écoute vraie de la Torah. Voilà. Alors, bon, c'est simplement, vous voyez, quelques pratiques de la lecture, de la traduction, qu'il en faut, bien sûr. Voilà. Alors, autre chose que je ne vous ai pas donné ici, hein, il faut donner un sens, mais il faut pas non plus, on n'est pas dans l'école midrashique, on va discuter sans fin, hein, on lit la traduction est lue, on va donner un sens, mais parfois il va falloir quand même expliciter un peu, on verra dans les prochains exemples. Alors il faut pas non plus déborder, mais il faut en donner. Alors je vais vous dire au deuxième siècle, un rabbi Yehuda qui dit: celui qui traduit un verset mot à mot, c'est un faussaire, et celui qui ajoute quelque chose est un insolent et un blasphémateur. Alors, comment se comporter entre les deux? Bon, c'est toujours un problème. Parfois, on verra, ça déborde un peu quand même, on en dit beaucoup plus. Mais enfin, bon, on n'est pas dans le domaine où on va commencer à discuter de la Torah et rechercher. Non, le traducteur va donner souvent un sens qui n'est pas forcément le sien, qui est le sens déjà reçu par la communauté pour que ça se situe bien dans la traduction qui a déjà compris ce texte. Voilà. Bon, je continue là. Voilà, hein, je laisse les réserves, on les verra après. Alors maintenant, Targum, c'est le Targum, justement, c'est le traducteur va donner un sens, une interprétation du texte qu'il a déjà dans la tête parce qu'il connaît sa tradition. Donc, et sa tradition, elle vient d'où? Elle vient du Midrash. La recherche midrashique dont va nous parler tout à l'heure, Edouard, mais le côté fondamental et noble, c'est vraiment le côté de la recherche, de l'interprétation midrashique. Et la traduction
la traduction targumique n'est que l'effet, le résultat modeste, court, de ce midrash qui est beaucoup plus important. Alors, on va voir ça à propos du songe de Jacob. Voilà. Jacob, vous savez, on est dans la Genèse, au chapitre 28, verset 10. Jacob vient de sortir de Beersheba et il va se rendre à Haran. Alors, normalement, si on lit ça, c'est un début de chapitre. Et le traducteur va être obligé, va parfois dire ce qui s'est passé avant. Ce qui s'est passé avant, je le dis, Jacob, aidé par sa mère d'ailleurs, s'est débrouillé pour prendre pour lui la bénédiction de l'aîné, la bénédiction paternelle, donc la bénédiction qui comprend tout, vraiment toute la gloire de l'avenir. Et il l'a prise à Saül, à son frère Saül. Une fois que Saül s'aperçoit de ça, évidemment, il est furieux, et Jacob, sous le conseil de sa mère d'ailleurs, va retourner chez ses ancêtres à Haran, en Mésopotamie. C'est là qu'il va d'ailleurs se trouver des épouses, Rachel et Léa. Mais il faut qu'il fuit, il part, hein, il n'est pas brillant. Il n'est pas brillant, mais alors... Il va s'arrêter quelque part en chemin. Voilà que lorsqu'il sort de Beersheba, se rend à Haran, voilà simplement le texte. Le targoumiste, ou en tout cas le rédacteur du targoum, s'il y en a un, là, il va décrire un certain nombre de miracles, de choses extraordinaires qui ont eu lieu à ce moment-là. Cinq prodiges. Cinq prodiges. Alors, le premier prodige, les heures du jour furent abrégées et le soleil se coucha avant le temps parce que le Verbe brûlait de parler avec lui. Tiens, le Verbe, c'est intéressant. Le Verbe, la même ra, le Verbe brûlait de parler avec lui. Un amour de Verbe, de Dieu, bien sûr, pour Jacob. Jacob qui deviendra Israël. Second prodige, les pierres que notre père Jacob avait prises et mises comme oreiller pour sa tête, c'était très confortable, quand il se leva le matin, il les trouva toutes réunies en une seule. Alors, tiens. Et c'est la pierre qu'il érigea en stèle sur le sommet de laquelle il versa du jus. Déjà, on sent plus de symbole, c'est toutes les... toutes ces pierres réunies en une seule, on verra ce que ça signifie. Troisième prodige, et que lorsqu'il a mis en marche pour aller à Haran, la terre se rétrécit devant lui. Il arriva tout de suite. Ensuite, quatrième, la pierre que tous les bergers réunis pour la faire rouler de dessus la bouche du puits, quand il arrive, il y a un puits. Lorsque notre père Jacob arriva, il la souleva d'une seule main et abreuve tout le troupeau de Laban. Et c'est là que il va aussi faire connaissance avec son oncle Laban et puis surtout ses filles, et puis surtout Rachel. Et ça va faire un mariage. Quand notre père Jacob, un cinquième prodige, notre père Jacob eut soulevé la pierre de dessus la bouche du puits, le puits se mit à déborder et monta en sa présence et continua à déborder pendant 20 ans, tout le temps qu'il demeura à Haran. Alors là, on a toutes les traditions du puits qui déborde lorsque les pères sont là, qui les accompagnent, et puis après on aura le puits aussi qui accompagne, ce même puits de la Torah, en fait, c'est ça, qui accompagne le peuple dans le désert. Bon, alors tout un ensemble de traditions qui ressortent là. Alors, voyons voir. Les deux premiers, on va traduire surtout les deux premiers prodiges. Lorsqu'il arrive à Beersheba, il rencontre. Alors, il y a deux traductions là. Je dis, il rencontra le lieu et il passa la nuit car le soleil s'était couché. La BJ dit, il arriva d'aventure en un certain lieu et il passa la nuit car le soleil s'était couché. Puis alors après, il prit une des pierres du lieu. D'abord, le soleil s'était couché. Le soleil s'était couché, et on pourrait dire évidemment, il passe la nuit, quand le soleil s'est couché, s'il passe la nuit, c'est une explication tout à fait normale, mais enfin, qui est d'une telle évidence. Mais en fait, car le soleil s'était couché, vous voyez, il y a en parenthèse, il y a deux mots, qui va, parce que va était allé, le verbe signifie qui s'était couché. Voilà. Alors nos maîtres ont dit, il éteignit Dieu. Éteignit le soleil, c'est-à-dire qu'il a rejoint les deux mots
c'est exactement les mêmes lettres, hein, mais c'est Kibba. Hein, il éteignit le soleil. Voilà, il éteignit le soleil. Alors, vous voyez, dans Targum, on a les heures du jour furent abrégées et le soleil se coucha avant le temps, hein, parce que le verbe brûlait. Bon, c'est déjà bien subtil, mais on n'a pas l'explication midrashique, hein, ou à partir du texte. Ici, le midrash le donne. Hein. On joue sur le mot s'était couché, hein, on ajoute les deux mots ensemble, et ça veut dire il éteignit, Kibba, un dieu éteignit le soleil. Cela pour te dire que le Saint béni soit-il fit se coucher la roue du soleil alors que ce n'était pas l'heure, afin de s'entretenir avec Jacob, notre père, dans l'intimité. Vous voyez, hein, ce Jacob qui est un roublard qui vient de rouler son frère, et qui ensuite en Rahan, enfin chez Laban, va rouler Laban en se faisant rouler par lui, enfin c'est un rusé. Quand il est debout, il a des idées, comme disait le père Jacques Fontaine, un dominicain de Jérusalem, un guide. Hein, Jacob a des idées horizontales quand il est debout, mais alors quand il est horizontal, il a des idées splendides, magnifiques. Hein, ces formules, c'est l'échelle de Jacob qu'il peut y avoir, enfin, un texte très, très interprété. Alors, on donne simplement l'exemple de l'ami d'un roi. Oui, toujours, il faut donner un exemple, hein, qui vient. L'ami vient le trouver par intervalle, le roi dit « Éteignez les lampes, je désire parler avec mon ami dans l'intimité. » C'est ainsi que le Saint béni soit-il fit se coucher la roue du soleil avant son heure afin de pouvoir parler avec Jacob. Avec notre père. Et Jacob deviendra Israël, hein, dans ses traditions aussi. Donc, l'amour de Dieu pour Jacob, il a envie de parler avec lui. Voilà. Alors maintenant, il prit des pierres du lieu. Alors, ce que j'ai donné tout à l'heure, dans la traduction de la BJ, hein, la Bible de Jérusalem, où la Top dit à peu près la même chose d'ailleurs, hein, il prit une des pierres du lieu, puis voilà, hein, parce qu'il n'en prit pas plusieurs, mais on a, hein, il prit des pierres du lieu, on a un pluriel, hein, Baïkar, mais Avner, Abakoum, des pierres du lieu. Il en a pris, première question, il en a pris combien? Puis en fait, on sait aussi que ces pierres, à la fin, il n'y en a plus qu'une. Hein. Il a plus qu'une, la pierre qu'il avait, qui lui servit d'oreiller. Voilà, il a en fait une matseva, hein. Il en fait une sorte d'autel. Hein. Combien? Bon, alors maintenant, nos maîtres du deuxième siècle vont discuter. Ben, Rabbi, il a pris 12. Voilà, il a pris 12, parce que Jacob, il avait déjà le souci de sa descendance. Hein. Alors, le Saint béni soit-il a décrété qu'il susciterait 12 tribus. Hein, il le sait déjà, hein, bon, très bien. Il sait déjà, il ne faut pas trop se demander, hein, il n'y a pas d'avant, d'après. Bon, il le sait. Abraham ne les a pas suscités, Isaac non plus. Alors, quant à moi, si ces 12 pierres se joignent l'une à l'autre, je saurai que c'est moi qui susciterai les 12 tribus. Lorsque les 12 pierres se furent jointes l'une à l'autre, il sut que c'était lui qui susciterait les 12 tribus. Voilà, Jacob est rassuré, bon, tout, les 12 tribus vont venir de moi. Avec un petit souci, on verra, le petit souci avec Reuben qui a fait une bêtise, est-ce que vraiment il méritera, lui, de rentrer dans cette grande tradition? Bon, enfin, 12, mais pourquoi 12? Pourquoi 12? Ben, il y en a qui va dire, non, il a pris 3. Ben, il en a pris 3. Hein? Alors, il en a pris 3. Le Saint béni soit-il a uni son nom, le Dieu, je suis le Dieu d'Abraham. Hein, il y a des textes qui disent le Dieu d'Abraham. Il a uni son nom sur Abraham. Donc, il a mis sa relation la plus forte possible, son nom sur Abraham. Il a uni son nom sur Jacob. Alors, maintenant, si ces 3 pierres se joignent l'une à l'autre, je saurai que le Saint béni soit-il unit son nom sur moi. Lorsqu'elles se firent jointes l'une à l'autre, il sut que le Saint béni soit-il unirait son nom sur lui. Oui. Trois, mais alors nos maîtres, c'est la traduction la plus, peut-être la plus reçue, on pourrait dire, hein, mais ça ne supprime pas les autres. Nos maîtres font une exégèse avec le plus petit nombre possible, c'est-à-dire, ils en ont pris plusieurs, ben, au moins deux, hein, au moins deux. Là, on est sûr, hein, au moins ça. Hein. Alors, d'Abraham, il sortit du rebut, hein, c'est Jacob qui se dit ça, hein, mon grand-père Abraham, il y a eu Ishmaël, hein, et puis tout le monde très bien. Hein. Donc Isaac et Ishmaël. Isaac, il y a eu Esaïe, et puis Esaü et moi, hein, d'Isaac, et puis c'est moi qui passe, et Esaü, bon, il est rejeté, hein, il s'est remis rejeté.
Alors, quant à moi, si ces 12 pierres se joignent l'une à l'autre, je saurai qu'il ne sortira pas de rebut de moi. De lui, ce sera la totalité, les 6, les 12 fils de Jacob. On raconte d'ailleurs que Jacob, lors de sa mort, s'inquiète un peu et lui dit: est-ce que gourmand, vous êtes bien dans la tradition, bien unis, tout ça, hein? Et ses fils lui répondent: écoute Israël, car Jacob c'est Israël, hein, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Voilà. Donc tout le monde, tous les 6, les 12 tribus sont vraiment rentrés dans la tradition. Alors vous voyez que le Targum, qui est pourtant assez long sur ce passage, hein, qui raconte ces 5 miracles et tout ça, est très bref par rapport à ce que le Midrash dit. Et le Targum dit simplement quelque chose qui est explicité dans le Midrash, qui est le lieu de la recherche, le lieu de l'explicitation, le lieu de la nouveauté. Le traducteur, lui, donne simplement souvent le sens essentiel, le sens premier, retenu quand c'est nécessaire. Voilà. Alors, maintenant, quelques... Il y en a déjà... Je vais donner quelques exemples du genre targumique. 9h-10h, il faut que j'arrête à 10h15. Hein. Ça passe tellement vite. Alors, quelques exemples du genre targumique. Alors, il y aura faire comprendre, des glosses, une mentalité populaire, et la Bible ne peut contenir ni erreur ni contradiction, la Bible est expliquée par toute la Bible, et souvent, actualisation, adaptation du texte. Voilà. J'interviens un instant. Jean, prends ton temps, hein. Tu as jusqu'à 10h30, on fait la pause après, il me semble... L'horaire à 10h30. À 10h30, on fait la pause. Non, c'est ça ou c'est 10h15, j'ai un doute sur l'horaire. Moi, c'est 10h15. J'ai juste 10h15. Ça me semblait plus. Bon, OK. Bon, 10h15. Bon, bah, écoute, tant pis, de toute façon. Hein, on peut pas... Non, voilà. Tu as jusqu'à 10h30. Vraiment... Parce qu'on a une pause à 10h30 et à 10h45. Jusqu'à 10h30. D'accord. Bon, donc, vas-y, tranquillement. J'ai encore une demi-heure. Bon, pour l'abonner, donner quand même quelques exemples. Hein. Alors. Bon, des modifications diverses, ajouts, du complément, tout ça, voilà. Toujours le... Ah, qu'est-ce que c'est ce téléphone? Alors, c'est toujours, l'idée d'expliciter, de faire comprendre. Hein. Alors, une interrogation, c'est dans Jérémie 18, 14. Est-ce que vient à manquer du rocher, un texte un peu difficile, hein, à manquer du rocher, des champs, la neige du Liban, est-ce que sont asséchées les eaux qui jaillissent et viennent de loin, fraîches et courantes? Donc voilà, des questions, mais mon peuple a oublié. Hein. Eh bien, on va traduire par une comparaison. Hein. Comme il n'est pas possible que manquent les eaux de la neige qui descendent sur les pentes du Liban, ainsi ne manquent pas les eaux de pluie qui descendent. Voilà. Voilà, il y a des choses dans la nature qui sont évidentes, et pourtant, mon peuple m'a oublié, il a oublié cette eau qui descend de la Torah. Bon, c'est pas normal. Voilà. Un autre texte. Mais mon peuple m'a oublié pour brûler les offrandes à ce qui n'est rien. On les fait trébucher dans les chemins, voie de toujours, pour aller dans des sentiers, chemins non frayés. Mon peuple a oublié, alors on va, le Targum, c'est le Targum de la Genèse, là. Mon peuple a abandonné mon culte à son désavantage. Oui. Donc on ajoute une petite traduction, il a abandonné mon culte, hein, le culte de la Torah, c'est ça, voilà. Ensuite, un texte assez difficile, hein, c'est le Jacob qui s'adresse à Simon et à Lévi. Vous m'avez porté malheur, vous m'avez jeté dans la bara en me rendant odieux, en me faisant littéralement puer parmi les habitants du pays. C'est un peu dur ça, parmi le Cananéen et le périsite. Et moi, je suis peu nombreux, ils vont se rassembler contre moi, me frapperont, et je serai anéanti. Alors là, on est dans cette situation où Jacob, avec ses fils, arrive en terre promise, hein, de retour de Haran. Et puis, à Sichem, il y a un petit drame, c'est-à-dire qu'il y a 12 fils de Jacob, et il y a une fille aussi, une fille de Jacob,
Dina, hein, qui est prise, par un Sichem, un habitant le fils du roi de Sichem, le fils de Hamor, et qui s'éprend d'elle, qui la viole, et alors il va falloir, c'est insupportable, qu'est-ce qu'on va faire? Il va y avoir toute une ruse employée par les fils de Jacob, il y a une traduction, le roi de Sichem dit, bah, écoutez, donnez-nous cette fille, et puis on travaillera ensemble, et tout ça, les autres ne sont pas d'accord, et il dit, bon, bah, écoutez, c'est entendu, hein. C'est entendu, on va vivre ensemble, on vous donne notre sœur, mais il faut que vous soyez comme nous, il faut vous circoncire, il faut que vous soyez circoncis. Alors ils acceptent, c'est la circoncision, et au bout de 3 jours, quand ils ne peuvent pas bien bouger, Simon et Lévi, et puis bon, les autres se précipitent sur les habitants de Sichem pour les massacrer. Voilà. Alors là, c'est quand même un truc, c'est quand même quelque chose de pas bon. Hein. Alors, vous avez le traducteur, hein, Jacob dit à Lévi, vous m'avez porté malheur, jeté dans l'embarras en faisant sortir mon nom comme mauvais. Voilà, hein. Et puis, une petite précision aussi, ils vont se rassembler contre moi, hein, tous ces gens, ça va être la guerre, je serai anéanti, moi et ma maison. Alors, un petit détail, on rajoute moi et les hommes de ma maison. Vous voyez. Donc, une traduction, vous m'avez fait puer pratiquement, c'est ça, hein, on va l'expliciter, on vous avait fait sortir mon nom comme mauvais, et puis ils vont se rassembler contre moi, ils me frapperont, moi et les hommes de ma maison, on explicite un peu, c'est tout simple. Alors, maintenant, ce massacre des gens de Sichem par les fils de Jacob, c'est quand même quelque chose qui peut choquer. Alors, on va, la Targum, les fils de Lévi et puis Simon et Lévi répondent, hein, devait-on traiter notre sœur comme une prostituée? Bon, c'est tout le texte, mais bien sûr, il va falloir donner des explications. Alors, le Targum donne un peu sur cette chose qui est un peu gênante, des explications un peu détaillées. Donc, les deux fils de Jacob, Simon et Lévi, répondirent et dirent à Jacob, leur père, il n'était point convenable que l'on dise dans leur synagogue et leurs écoles, c'est-à-dire dans nos descendances, hein, des incirconcis ont souillé des vierges et des idolâtres la fille de Jacob. Hein. Au contraire, il est convenable que l'on aille 10 ans dans les synagogues d'Israël et leur maison d'études, des incirconcis ont été mis à mort à cause d'une vierge, des idolâtres, pour avoir souillé Dina, la fille de Jacob. Pour qu'après cela, Sichem, fils de Hamor, n'aille pas se vanter à part soi, ne s'enorgueillisse pas en disant à son cœur comme une femme qui n'a pas d'homme, etc. C'est ainsi qu'on a traité Dina. Voilà. Maintenant, voilà. On a Jacob, là c'est la vente de Joseph. Hein, pendant qu'on a vendu Joseph, Ruben n'était pas là. Alors, Ruben revint à la fosse, Genèse 37-29, Joseph n'y était pas, il déchirait ses vêtements. Mais alors la question, qu'est-ce qu'il est allé faire? Il revient à la fosse, on ne sait pas ce qu'il est allé faire. Eh bien, en effet, le Targum va expliquer. En effet, il n'était pas avec eux à manger lorsqu'ils l'avaient vendu. Il était assis à jeûner, voilà, on revient au problème de Ruben, pour avoir dérangé, enfin, c'est dit de façon légère, hein, dérangé la couche de son père. Il s'en était allé, s'était assis dans les montagnes avec l'intention de revenir ensuite à la citerne et de le faire remonter pour le ramener à son père afin peut-être de retrouver sa faveur. Vous voyez, il faut qu'il expie un peu sa faute, hein, il a fait quelque chose qui traîne là. Mais quand il revint, il regarda et voici que Joseph n'était plus dans la citerne, il déchira ses vêtements. Hein. Alors, maintenant, toujours à propos de Ruben, hein, il se retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'est plus là, et moi, où vais-je aller? Ça, c'est le Targum, c'est le texte biblique. Alors, pourquoi est-il si angoissé, hein? Bon, on va le dire. Hein. Il tourna vers ses frères et dit, l'enfant n'est plus là, et moi, où vais-je aller? Comment pourrons-nous
Là, c'est peut-être pourrais-je, c'est bon, je ne passe pas sur les détails de la morphologie ici. Hein. Comment pourrons-nous, pourrais-je revoir la face de mon père? Voilà ce qui l'angoisse. Hein. Comment va-t-il se présenter devant son père avec l'un des deux, avec le petit Joseph là, qui n'est plus, et puis lui-même qui a besoin d'être un peu justifié par rapport à son père avec ce qu'il lui a fait. Hein. Voilà. Alors maintenant, aussi, relation, des connexions logiques, hein, relation avec la section précédente. Hein. Alors là, c'est encore un grand texte, hein, c'est la Akedah, hein, c'est Abraham qui est convoqué par Dieu pour dire, tu vas m'offrir ton fils, hein, sur le mont Moria, fils Isaac. Il arriva qu'après ces événements, Dieu tenta Abraham et lui dit, Abraham, Abraham. Abraham, il dit, me voici. Voilà. Alors, après ces événements, on est au début d'une section. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant? Si on commence tout seul la lecture comme ça, après ces événements, on a besoin de savoir ce qui était. Eh bien, bon, le traducteur va le dire. Hein. Il connaît sa tradition, il sait. Hein. Donc, il arriva qu'après ces événements, après qu'Isaac et Ismaël se furent querellés, hein, on a la dispute d'Isaac et Ismaël, hein, Ismaël cherchait même à tuer Isaac, enfin bon, tu as une énorme traduction là-dessus. Alors, il se querelle au sujet de quoi? Ismaël disait, c'est à moi qui revient d'hériter de mon père, puisque je suis son fils premier-né. Voilà. Tandis qu'Isaac disait, c'est à moi qu'il revient d'hériter de mon père, car je suis le fils de Sarah, sa femme, alors que toi, tu es le fils de Hagar, la servante. Voilà. On pense, ceux qui connaissent un peu Saint Paul, hein, à propos des Galates, hein, Saint Paul va inverser, c'est les chrétiens qui deviennent le fils de Sarah. Bon, mais on a déjà ici cette tradition, oui, en débat. Hein. Donc, voilà, après ces événements, hein, bah, c'est cette dispute. Alors, ça continue. Hein, ça continue. Alors, pourquoi justement maintenant cette offrande de Isaac a eu lieu, hein, pourquoi a eu lieu la Akedah? Voilà. Ismaël répondit, je suis plus juste que toi, il dispute, hein, parce que j'ai été circoncis à 13 ans. Hein, et si j'avais voulu me refuser, je me serais sauvé, hein, je ne serais pas prêté à la circoncision. Eh bien, je l'ai fait généreusement. Voilà. Mais toi, tu as été circoncis à 8 jours, on ne t'a rien demandé. Si tu avais eu la connaissance, peut-être que t'aurais refusé. Alors Isaac, là, bon, il veut l'emporter quand même. Ben, voici qu'à ce jour, j'ai 37 ans, et si le Saint béni soit-il me demandait tous mes membres, je ne les lui refuserai pas. Tiens, ça, on pense aussi à certaines traductions. Hein, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta vie, de toute ta force, de tout. Et on va interpréter tu aimeras le Seigneur ton Dieu toute ta vie en donnant ta vie. Hein. Donc, alors, ici, voilà, on a quelque chose de ce type-là. Ici, vous voyez, on a toutes d'immenses traductions derrière. Hein. Voilà. S'il demandait tous mes membres, je ne les refuserai pas. Aussitôt, ces paroles furent entendues devant le maître du monde, et sitôt, la parole du Seigneur tenta Abraham, il lui dit, Abraham, Abraham, et ce dernier dit, me voici. Et donc, Isaac avait 37 ans. Hein. On sait que, enfin, la Bible dit que lors de la Akedah, lorsque Isaac a été offert, donc cet événement rapporté ici, Sarah l'a appris, et elle a cru qu'Isaac était vraiment mort, hein, elle n'a pas tout su, bon, elle est morte à ce moment-là. Elle avait 127 ans. Or, lorsqu'elle a eu Isaac, hein, en Genèse 17-17, hein, qu'elle était enceinte d'Isaac, elle avait 90 ans. Ouais, bien. Donc, de 90 ans à 127 ans, il y a 37 ans. Donc, Isaac avait, ce qu'il fallait démontrer, 37 ans lors de la Akedah. Ouais. Ça pourrait intéresser aussi l'interprétation chrétienne quand il voit que Isaac, le Christ, enfin, reprend Isaac qui s'offre hein, en adulte. Voilà. Bon, des mots obscurs interprétés, simplement, c'est tout simple. Hein. Qu'est-ce que c'est ce Tohu Vavohu? Hein. La terre était déserte et vide, hein, c'est Genèse 1, 2. Et la ténèbre surface des eaux, le souffle de Dieu planait sur la surface des eaux. La terre était déserte et vide. Bon, il faut expliquer un petit peu, on le fait. Hein, la terre était déserte et vide, privée d'homme, privée de tout animal. L'obscurité s'étendait sur la face de l'abîme et un esprit d'amour de devant le Seigneur soufflait. Alors, la terre était privée d'homme et privée de tout. On en rajoute un peu hein, pour dire un peu ce que c'était ce tohu-bohu. Et bien, ça va,
la vie va apparaître après. Hein. Et puis un esprit soufflait sur la face des eaux, un esprit d'amour de devant le Seigneur. Hein. Cet esprit qui va être à l'origine de la création, c'est un esprit d'amour. On dit toutes les fois qu'on dit trois fois le chemin Israël, bénédiction sur avant le chemin, c'est Dieu qui crée et qui maintient la création par amour, hein, l'esprit d'amour. Voilà, donc on a des grandes traditions derrière qui sont simplement évoquées par quelques mots. Voilà. Explication de l'errance de Caïn. Hein. Et Caïn est sorti devant le Seigneur, il habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Hein. Il part, et Nod. Hein. Alors, il habitait la terre, exilé et vagabond, la terre de Nod, il y a le mot Nod, c'est aussi, ça fait l'écho d'un verbe, c'est les mêmes lettres, hein, le verbe, la Nod, qui est vagabonder, errer. Alors, bon, on joue là-dessus, une petite interprétation, il habita la terre, exilé et vagabond, à l'Orient d'Éden. Et puis, à l'Orient d'Éden, qu'est-ce que signifie cet Orient d'Éden, hein? Orient, ça peut dire avant l'Éden aussi. Ça, on peut interpréter comme ça. Hein. Mikedem, hein, c'est avant aussi. Alors, une nouvelle interprétation. Or, il advint avant qu'il n'ait tué Abel, que la terre produisait devant lui des fruits comme ceux du jardin d'Éden. Donc, ah ouais, avant l'Éden, on reprend, mais pour l'interpréter autrement. Hein. Mais après qu'il eut péché en tuant Abel, elle se changea et produisit devant lui des épines et des ronces. Bon, alors ça posera encore des discussions, on ne va pas les faire ici, mais on le dit ça déjà du péché de Adam et puis du couple, du premier couple. Alors, est-ce que ça commence seulement avec Abel? Bon, ça c'est une autre question. Alors, la bénédiction de Joseph par Jacob. Pour moi, je te donne, on va expliquer plusieurs choses là. Je te donne une épaule en plus de tes frères que j'ai prises de la main de l'Amorite par mon épée et par mon arc. Voilà. Alors, il y aura des choses à expliquer. Je te donne une épaule. C'est Joseph donc, qui est béni par Jacob et Jacob lui promet quelque chose de plus. Il lui promet une épaule de plus. Qu'est-ce que c'est que ça, hein, que j'ai prise de la main de l'Amorite? Eh bien, c'est une épaule, c'est Shechem. Et l'épaule, c'est Shechem. C'est le même mot, enfin, c'est les mêmes consonnes que Sichem. Hein. Moi, je te donne la ville de Sichem, voyez, une part en cadeau de plus qu'à tes frères que j'ai prise des mains des Amoréens. Autant vous avez pénétré, je me suis levé et je vous ai soutenu par mon épée et par mon arc. Hein. Alors, déjà, Onkelos, hein, le Targum, lui, un peu plus restreint, hein, un peu plus sobre, hein, dit, va quand même dire que j'ai prise de la main de l'Amorite par ma prière et ma supplication. Vous voyez que oh, ben c'est autre chose, hein. C'est pas l'épée et l'arc, c'est pas le guerrier qui casse tout, non, c'est ma prière et ma supplication. Et puis, il va y avoir également que j'ai prise, donc je te donne une part de plus qu'à tes frères, le vêtement du premier homme, le père de mon père, Abraham, qui le prit des mains des mômes. Alors ça, il y a toute une tradition, sur le vêtement. Oui, oui. Le vêtement de Adam, finalement, qui a été transmis, et on l'interprétera plutôt dans le vêtement sacerdotal, puisqu'il y avait un sacerdoce qui se serait succédé jusqu'à ce qu'on ait le sacerdoce d'Aaron exclusif, bien sûr. Hein. Bien. Maintenant, Moïse n'avait pas perdu sa vigueur. Moïse avait 120 ans lorsqu'il mourut, son œil n'était pas éteint et sa vigueur n'avait pas fui. Alors, sa vigueur, hein, on a un mot, l'erhi, qui a la même consonance que le mot qui signifie les mâchoires. Alors,
On va rajouter le Targum juste un peu. Là. Moïse avait 120 ans lorsqu'il mourut. Les globes de ses yeux n'étaient pas éteints. Voilà, hein. Son œil n'était pas éteint. Alors sa vigueur, hein, ça va être ses dents, hein, sa mâchoire. Les dents de sa mâchoire n'étaient point tombées. Et la Vulgate va dire, la traduction de la Vulgate va reprendre cette traduction-là. Hein. Donc on s'appuie sur le mot consonantique, le ri, mâchoire. Hein. Et dans Néophyti, les globes de ses yeux n'étaient pas éteints. Et alors on va dire autre chose, la splendeur de sa face n'avait point changé. Hein. Nous pensons à la splendeur de sa face dans Saint Paul, hein, le voile qu'avait Moïse, hein, parce que sa face était splendide et brillait. Voilà. Elle brillait d'avoir été en contact avec le Saint des Saints, avec Dieu. Hein. Un mot un peu difficile, en Genèse 20 et 13, c'est Abraham qui va parler à Sarah. On est dans le royaume d'Abimélec. Hein, ce n'est pas en Égypte. Et puis donc Abraham, qui a une si belle femme, a bien peur qu'on lui prenne. Alors il dit à Sarah, hein, lorsque les Élohim me firent aîner loin de la maison de mon père, je lui ai dit. Hein, je lui ai dit, et qu'Abraham dit à Sarah, voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Alors, est-ce que Dieu a fait, les, puis un pluriel, hein, les Elohim, a fait errer Isaac volontairement, et puis les Elohim, la Septante, qui est une sorte de Targum, la Septante, hein, c'est des choses qu'on en rajoute un peu. Il arriva, lorsque Dieu me fit sortir de la maison de mon père, je lui dis, etc. Hein. Et puis, Néophyti, quand les nations cherchèrent à m'égarer après leurs idoles et que la parole du Seigneur m'eut pris de la maison de mon père, voilà, c'est toujours les dieux qui m'ont fait, c'est pas les dieux qui m'ont fait errer, hein, l'Élohim qui m'a fait errer. Hein, c'est des nations qui ont voulu m'égarer. Et le TJ1, le Targum Yerushalmi, dit quand les adorateurs d'idoles cherchèrent à m'égarer, je sortis de la maison de mon père. Voilà, hein. Donc on corrige un peu tout ça. Hein, on corrige un peu tout ça. Maintenant, Genèse 6:3. Hein, mon esprit ne jugera pas. Ne disputera pas à jamais dans l'homme, puisqu'il est chair et ses jours seront de 120 ans. Est-ce que l'Esprit de Dieu va décider d'abandonner l'homme? C'est un peu la difficulté. Alors, voilà ce qu'on a dans le Yerushalmi, un parallèle à Néophyti, mais beaucoup plus tardif. Hein. Beaucoup plus tardif de rédaction, pas forcément de tradition. Le Seigneur dit, par sa parole, aucune des générations mauvaises qui doivent surgir à l'avenir ne sera jugée d'après le rituel des jugements de la génération du déluge. Voilà, donc, bon, le déluge, ben, tant pis pour eux, ils vont être engloutis, mais par la suite, non, il n'y aura pas cette sanction-là. Hein, cette génération du déluge qui doit être détruite et exterminée du milieu du monde. N'avais-je pas mis en eux mon esprit de sainteté pour qu'ils accomplissent des œuvres bonnes, mais voici, ils ont rendu leurs œuvres mauvaises. Je leur ai donné un délai de 120 ans pour qu'ils se convertissent et fassent pénitence. Ils n'en ont point fait. Voilà. Et puis, dans le Néophyti, aucune des générations mauvaises qui doivent survivre à l'avenir ne sera jugée d'après le rituel et le jugement de la génération. Donc, on assure un peu encore, on assure qu'il n'y aura pas, il n'y aura plus ce jugement terrible. Hein. Voilà, bon, je saute ici. Alors, maintenant, des termes ou des images explicitées. La terre où coule le lait et le miel, voilà, hein, devient ben, simplement un pays qui produit des fruits excellents, purs comme le lait et doux comme le miel. On en rajoute un peu, vous voyez, hein, dans Exode 3, etc., etc. Pendant les 7 années de fertilité, la terre produisit, c'est dans Genèse 41-47, hein, la terre qui produisit du blé. Hein, alors, les habitants de la terre engrangèrent, hein, c'est ça, on en rajoute un peu, c'est les habitants de la terre qui ont engrangé.
un autre texte, que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, c'est dans la chronique, hein, que les cieux se réjouissent, on va dire, les anges d'en haut se réjouissent pour le ciel et pour la terre, les habitants de la terre. Voilà. Alors, maintenant le cas de Rouven. Rouven, dans la bénédiction de Jacob sur Rouven, « Rouven, tu es mon premier-né, tu es ma force, prémisse de ma vigueur, comble de fierté et comble de force. Prémisse de ma vigueur, un débordement comme les eaux, tu ne seras pas comblé, car tu es monté sur le lit de ton père, alors tu as profané celle qui est montée sur mon lit. » Voilà, quand même, Rouven, il a quand même un petit problème. Hein. Alors, il y a des choses un peu difficiles. Hein. Pourquoi tu es mon premier-né? Alors, le Targum Néophyti, tu es mon premier-né, ma force, prémisse de ma peine. Tu étais destiné à avoir trois parts, voilà, de plus que tes frères. Hein. Tu devais, la primogéniture, premier-né, était à toi. La royauté aussi, et le sacerdoce, tout était destiné comme premier-né. Parce que tu as péché, mon fils, la progéniture a été donnée à Joseph, mon fils, la royauté à Judas, et le souverain sacerdoce à Lévi. On a distribué tous ces grandes fonctions essentielles en trois personnages. Hein, la royauté, la primogéniture, hein, donc à Joseph, la royauté à Judas, et le souverain sacerdoce à Lévi. Et puis, il y a un peu un débordement comme des eaux, une expression, le verset 4, vous voyez un peu plus haut, là, débordement comme des eaux, c'est une expression un peu difficile, hein, c'est la vigueur de Rouven qui est allé violer la concubine de son père, tout ça. Alors, ça va être dit autrement, hein, je te comparerai, Rouven, mon fils, à un petit jardin dans lequel sont entrés des fleuves d'eau débordante. Il n'a pu les contenir, oui, c'est toi, hein. Il a été emporté de devant eux. Ainsi, Rouven, mon fils, tu as été emporté avec ta science et loin de tes bonnes œuvres. Avec ta science, hein, peut-être quelque chose contre les, non pas contre les philosophes, mais les il y a une autre catégorie là, qu'on n'aime pas bien. Hein, autant de la philosophie grecque. Hein, hein. Tu as péché, mais ne recommence pas à pécher de nouveau. Le péché que tu as commis sera pardonné. Alors, il y a la dernière phrase, tu es monté sur le lit de ton père alors tu as profané celle qui montait sur ton lit. Alors ça, ben, c'est dans bien des manuscrits, on ne le dit pas. On le dit pas, on le sait, mais on ne le dit pas, parce que bon, c'est quand même un peu assez scandaleux. Alors, maintenant, je termine, hein, quelques gloses. Tamar quitte ses vêtements. On a revu Tamar hein, qui se travestit en prostituée pour que Judas passe. Il cède à la tentation et finalement il va lui donner un enfant. Tout se terminera très bien dans l'histoire, mais enfin bon, c'est ça. Donc, elle se couvrit d'un voile, s'envole pas et s'assit à l'entrée des Naïm. Elle voyait bien, en effet, etc., qu'elle n'aurait pas d'enfant des fils de Judas. Alors, Tamar quitta ses vêtements de veuve, se couvrit d'un voile. Alors, on a le verbe s'enveloppa. Alors, elle se fit belle. Voilà, hein, elle se fit belle. On ajoute un petit peu en détail. Et puis, en kénos aussi, hein, elle s'arrangea, elle se fit belle aussi. Vous voyez, on met un petit peu. Serpent et scorpion dans la citerne. On revient à Joseph qu'on jette dans la citerne. Pour le vendre, ensuite on le vendra. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne, et la citerne était vide, il n'y avait pas d'eau. Bon, répétition, à quoi ça sert? Elle était vide, il n'y avait pas d'eau. Alors, bon, il n'y avait pas d'eau, c'est superflu. Donc, la Bible ne dit pas des choses deux fois la même chose, hein, c'est pas la peine. Donc, elle était vide, il n'y avait pas d'eau, il y avait des serpents et des scorpions. Vous voyez, on en rajoute. Hein, le pauvre Joseph, hein, était mal parti. Là. On en rajoute. Maintenant, est-ce qu'on peut s'approcher de Dieu, hein, s'approcher de Dieu? Eh bien, on va interpréter, hein, quand un homme donnera en garde à son prochain de l'argent et des objets et qu'on les volera de la maison de celui-ci, si le voleur est retrouvé, il donnera compensation. Si le voleur n'est pas retrouvé, le propriétaire de la maison s'approchera de Dieu pour qu'on sache qu'il n'a pas mis la main sur lui.
Alors, s'approchera de Dieu, on va traduire dans l'Onkelos, il s'approcha devant les juges, et il jurera de pouvoir porter la main hein, contre Dieu. Voilà. Bon, simplement. La tunique de Joseph. Hein. Pourquoi a-t-on trempé la tunique de Joseph dans du sang de chevreau ? Ils prirent la tunique de Joseph, tuèrent un chevreau et plongèrent la tunique dans le sang. Alors, voilà, on a l'impression, pourquoi un chevreau ? Hein. Car son sang ressemble à celui de l'homme. Bon, ça, je ne sais pas, il faudra aller voir, mais enfin, on donne une explication pourquoi hein, c'est une tunique de chevreau, mais voilà, hein, ça ressemble à l'homme, donc, au sang de l'homme, donc Jacob reconnaîtra dans cette tunique le sang de son fils, même si c'est celui d'un chevreau. Un conseil étonnant. Il laisse, alors, Joseph qui vient renvoie ses frères après qu'il les ait vus, reconnus, en Égypte, et puis ils vont aller retourner et trouver Jacob. Hein. Alors, il laissa alors partir ses frères et leur dit au départ, ne vous excitez pas en route. Alors, ne vous excitez pas en route. Dans la Bible de Jérusalem, il y a une note hein, qui est significative. Le texte n'en dit pas plus et le sens reste incertain. Inquiétude, dispute, précipitation. Eh bien, dans la traduction, le Metteur Gamin, le traducteur, va en ajouter, ne vous disputez pas au sujet de ma vente pour que ceux qui font route avec vous, ne vous cherchez point querelle. Hein. Vous avez fait quelque chose pas terrible à mon sujet, vous m'avez vendu, vous allez vous disputer à ce sujet-là, et puis les autres vous entendront, et puis ça vous portera querelle, malheur. Parlez pas de ça. Voilà. Dieu avait déjà tout annoncé à Abraham, les allusions historiques. Hein. C'est non, il est déjà à 10h28. C'est l'heure. Bon, ben, ça sera la dernière. Non, mais est-ce que tu peux voilà, donner une conclusion un peu résumée, ce que tu peux oui, dire ça, par rapport au Targum dans l'ensemble ? Merci. Ce sera la dernière, oui. Oui. Bon. Autrement dit, si vous voulez, le texte va, dès qu'on lit le texte biblique dans la synagogue, il y aura toujours des questions qui se porteront au sujet de ce texte. Hein. Soit une grande tradition qui est derrière, soit une sorte de choses qui choquent un peu, est-ce qu'on va trouver les Elohim au pluriel, du Dieu, ben non, ça sera les juges. Donc, on a besoin d'expliciter ça. Le traducteur va donner une explication qui permettra de calmer un peu les interrogations. Il donnera pas son interprétation à lui, en général, mais l'interprétation généralement reçue de l'ensemble reçu par la tradition, la tradition la plus reconnue. Voilà. Donc finalement, vous voyez que le rôle du traducteur n'est pas un rôle de créatif comme c'est dans le Midrash, qu'on va entendre bientôt un peu le truc sur le Midrash, hein, mais il donne un peu la traduction générale, il explicite le texte, il ne donne pas un texte mot à mot. Et puis, c'est toujours une tradition vivante, hein, c'est-à-dire quand il traduit, il n'a plus le texte, il n'a pas le texte devant les yeux, il traduit ce qu'il a entendu et il traduit ce qui résonne ensuite à partir de ce texte qui a besoin d'être un peu explicité. Donc, une tradition parfaitement orale pour donner le sens de l'écriture que les gens comprennent déjà, même si après, il va y avoir souvent dans la synagogue, il y aura un homélie, il y aura des textes qui va donc interpréter un passage de l'écriture de façon beaucoup, beaucoup plus développée. Et ça ne sera pas le thème, ça sera pas le rôle du traducteur. Voilà, simplement pour résumer. Merci beaucoup, Jean. Donc, vous avez le temps peut-être de